Bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club avec GTA 5 sur PC avec le mode menu. Aujourd'hui on va démarrer une nouvelle vidéo, présentation, customisation et test. Donc pour rappel, avant toute chose, on avait fait les 3 là, donc la Dominator ASP, la Comet S2 et la Ubermatch Cypher. Ces 3 véhicules sont en vidéo, donc présentation, custom et test. Donc si vous voulez aller les voir, les vidéos seront dans la description. Juste à cliquer et je vous les mettrai en fin de vidéo, vous savez, dans les petits encadrements qu'il y a en fin de vidéo que je vous mets depuis quelques temps maintenant. Ensuite, vous avez voté pour les 4 sur les 4 prochaines véhicules, vous avez voté pour la prochaine vidéo, donc ce sera, vous l'aurez compris vu qu'elle est au milieu, sur la Pfister Growler aujourd'hui, puis vous l'avez compris probablement dans le titre aussi. Et ensuite on aura la Sultan, la Vecteur, et on terminera avec la Prévion. Je suis vachement étonné, il n'y a personne qui... Vous avez voté qu'à 7% pour la Prévion. Est-ce que vous avez trop de japonaises dans ce DLC, du coup ça vous a saoulé? Je sais pas, c'est bizarre. Vous me direz en commentaire, j'ai trouvé ça bizarre qu'il y ait aussi peu de hype sur cette Prévion. Mais bon, chacun ses goûts. Allez, on commence avec cette petite roller. Vous l'avez compris, hein, c'est encore une Porsche. Et celle-ci, c'est une Porsche un peu plus, on va dire, coupée que la Comet S2, qui est quand même beaucoup plus longue. Hein. Et vraiment, c'est encore un très très joli modèle. J'ai hâte de l'essayer, voir un peu ce qu'elle va donner sur la route, voir ce qu'elle va donner en customisation. Enfin voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette Porsche aussi. Je trouve qu'elle a vachement de l'allure. Et puis, c'est vrai que au plus la version next-gen de GTA 5 et GTA Online arrive, au plus les véhicules, je crois que c'est le DLC où les véhicules sont les plus proches de la réalité. Et ils sont extrêmement bien finis, extrêmement jolis, je trouve. C'est plutôt prometteur pour la next-gen et hâte de voir ça en novembre ou même en décembre, hein, parce qu'il y aura un DLC en décembre probablement. Enfin, probablement, c'est sûr même. Un DLC en décembre ou novembre peut-être, si jamais avec la sortie de la next-gen, mais j'y crois pas trop, je pense que ce sera plutôt en décembre comme chaque année. Avec sûrement de nouveaux véhicules pour la version next-gen et la version PS4, mais qui seront une version, bien sûr, mieux fait pour la version next-gen. Enfin, en tout cas, on verra tout ça. Allez, on reste concentré sur la Growler. Je vais ouvrir les portes, on va regarder un petit peu l'intérieur. Allez, on a ouvert, et comme d'habitude, bah, c'est les Porsche, hein, on a le coffre à l'avant. Avec le petit Pfister bien sympa, là. Voilà, vraiment, c'est propre. Hein. J'aime bien les phares aussi, ils sont plutôt jolis. Alors, ensuite on passe à l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est un nouvel intérieur, c'est le même intérieur que l'autre Pfister, donc que la Comet S2 là-bas. C'est le même intérieur, mais c'est un nouvel intérieur, c'est un intérieur qu'il n'y avait pas avant. Un intérieur qui est encore bien, bien, bien fini, et qui, bah, comme je le disais déjà pour les voitures, je dis pareil pour les intérieurs, on risque d'avoir des intérieurs encore mieux travaillés et mieux finis sur la next-gen, et c'est vachement prometteur. En tout cas, celui-ci, je le trouve vraiment efficace, bien bien travaillé et qui va super bien avec ce modèle de voiture quoi. Ensuite on a un autre coffre, on voit pas le moteur hein, sur cette bagnole. Voilà, donc là il y a de la place pour aller en vacances, vous pouvez en mettre devant, derrière, dans les vides poches, enfin voilà, il y a de la place quoi. Allez, on passe côté gauche et là on est en manuel ou en séquentiel, ça dépendra. Ça dépend, ouais, je pense qu'on est en manuel ou en séquentiel, peut-être les deux. En tout cas, voilà, bah, c'est un intérieur bien sympa, avec les pédales, accélérateur, frein, embrayage, tout en alu, ça fait bien plaisir, c'est bien joli. Le compteur, un peu plus aux couleurs de la voiture, bleu. Voilà, le poste et tout. Franchement, non, c'est bien terminé. Vraiment, vraiment, c'est propre. Avec le petit Pfister, regardez sur les sièges à l'arrière, là, derrière. Non, non, vraiment, bien, bien réussi cette voiture encore. Donc ça, c'est pas foutu de nous. Allez, je ferme les portes et on est parti pour tester cette voiture jusqu'au LS Custom. Thank you.
can the best mechanic in LS do for you? Allez, on est parti pour la custom. Donc blindage, je le remets à fond parce que c'est des conneries, hein. Le blindage ne ralentit pas la voiture. Freinage de course, pare-choc, pare-choc avant. Pare-choc de rue, performant, endurance. Bah franchement, celui-là d'origine, il est quand même, c'est quand même le plus joli, je trouve, moi. Je sais pas ce que vous en penserez, vous, en commentaire, mais moi, perso, je vais laisser celui-là d'origine pour l'avant, déjà. Lisse. Aéré L. Lisse, aéré L. Double ventile. Ah, voilà, ça, c'est sympa. Voilà. Allez. Moteur. Barre anti-rapprochement. Ah, dans le coffre, comme ça. Ah, ça, c'est original, tiens. Ah bah ça c'est pas mal. Ah là j'aime bien ça. Réglage du moteur. Bah niveau 4. Forcément. Échappement. En carbone. Alors on va accélérer. Pour qu'on puisse voir bien le pot. En titane. Ovale. Ovale carbone. Ovale titane. Large. Gros échappement. Gros calibre. Gros calibre titane. Aucun libre alu. Échappement en 8. 8 carbone. 8 en titane. 8 en alu. x2. Carbone, titane. Et en alu. Non, on va mettre celui-là. En alu, tiens. Et l'avant. Alors. Prise d'air haute. Prise d'air haute en carbone. Bah, de toute façon, c'est soit noir soit en carbone, donc autant les mettre en carbone. Capot. Attache capot. Oh, on va les mettre aux couleurs, tiens. La bagnole, ça c'est sympa. Capot en carbone. Ventilé en carbone. Concave en carbone. Strié en carbone. Sport en carbone. Capot de rallye en carbone. Je sais pas pourquoi ils sont tapés un délire avec ça. Course couleur 1. Course couleur 2. En carbone. Ça, j'aime bien. Ouais, ils se sont tapés un délire à la The Crew à mettre les Porsche en mode rally raid, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu The Crew. Habitacle. Tableau de bord. En carbone. De course. Course carbone. Ok. Cadran. Auxiliaire. Tableau de bord. Voilà, on va mettre ça, j'aime bien. Portière, mon maman, comme d'hab, je mets pas. Je modifie pas, mais voilà, au moins vous voyez ce que ça donne. Siège. Putain, mais vert, ça fait dégueulasse. C'est dommage qu'on peut pas changer les lanières, ouais. De couleur, aussi. Parce que mettre du vert dans une bagnole, c'est pas dingue, hein. Ah, moi, je vais mettre comme ça, hein. Alors là, faut que je prenne un volant qui me cache pas trop le compteur. Bon, j'ai un compteur numérique, donc c'est plutôt pas mal. Bon, wow, on peut laisser le volant d'origine, à la limite. Arceau blanc, bleu, couleur 2, intégraux, couleur 1, couleur 2, rembourré, couleur 1, couleur 2, renforcé blanc, renforcé couleur 2. On sait couleur 1. Couleur 1 et couleur 2, pardon. Bon, on va mettre comme ça. Éclairage, phare. On va mettre les xénons. Néon, on verra après. Aileron plat, bec de canard. En couleur 2, couleur 1, carbone. Canard insert. Ah, ok. Couleur 1, carbone. Extrême. Couleur 1. Carbone. Ouais, bon, on va le mettre comme ça. Motif, on verra après. On se garde ça pour tout à l'heure. Rétroviseur, couleur 1. Couleur 2. Bah, couleur 1. Plaque. Tac. Les plaques, faudrait vraiment que je change le nom à chaque fois, mais j'y pense pas à mettre mon truc TGS dessus.
Couleur principale, on verra après. Séparateur arrière. Couleur 1. Ok. Couleur 2. Carbone. Ailette, couleur 1. Couleur 2. Carbone. Ouais, j'aime bien celui-là. Allez. Accessoire de toit, barre lumineuse. Ah ouais, non, mais ils sont tapés un truc rally raid sur la bagnole. Galerie, rallye de toit. Non, ça, j'aime pas du tout. Je sais pas, je vois pas l'intérêt de mettre ça sur les bagnoles. Bon, chacun ses délires après. Hein. Tendu couleur 1, en carbone. Rallye, couleur 1, couleur 2, en carbone. Notre caisse couleur 1, couleur 2, en carbone. Comme ça, à la limite. Ouais. C'est bizarre comme bas de caisse, hein. Séparateur pointu. Pointu en carbone. De course, couleur 1. Couleur 2. Carbone. Course GT. Ok, j'aime bien. GT couleur 1. Couleur 2. En carbone. Endurance. Endurance couleur 1. Couleur 2 et en carbone. Ah, je vais mettre celui-là avec le petit contour en bleu. C'est vraiment sympa, ça. C'est propre, je trouve. Ah, mais il y a un autre. Ah, mais d'accord, putain, il y a deux ailerons en fait. J'ai pas capté. Pardon, j'ai dit putain. Dragster extrême. Le dragster. À la limite, ouais, on peut mettre celui-là à la limite. Allez, woman, par soleil plastique, couleur 1, couleur 2, Fukaru négatif, main mast négatif, power metal négatif. On va mettre celui-là. C'est dommage qu'on puisse pas le mettre plus de trucs comme ça sur les autres voitures avec plusieurs marques et tout. Ça aurait pu être sympa. Suspension, je mets compétition, mais moi honnêtement sur mes voitures, je crois que je vais toujours laisser les suspensions d'origine maintenant. Parce que ça modifie le comportement de la bagnole, c'est assez dingue. Bleu, bah là le problème c'est que je vais mettre néo parce que je sais pas quelle couleur je vais la mettre. Donc je pense qu'elle va rester bleue, mais on verra bien si je me fais un petit plaisir ou pas. Transmission de course, turbo aussi, aération, prise d'air latérale. Ah, il y a des pièces quand même, hein. Carbone, incurvé carbone. Franchement, il y a des pièces, hein, sur cette bagnole. Les roues, on verra après. Vitre, fumée claire. Ouais, bah là, je vais teinter, je vais pas me gêner. Donc là, il reste les roues, type de roue, bah moi, forcément. Ah, tuning. Ah oui, mais non, je suis con, tuning, c'est... C'est pas les dernières. On va mettre sport. Hein. Ouais, ça fait chier, j'ai pas les dernières jantes, quoi. Sur ce. Je sais pas comment ça se fait. Ouais, bah ouais. Ouais. On va mettre celle-ci. J'aime bien. Couleur des jantes. Bah du coup, ouais, noir. Pneu. Voilà, amélioration des pneus, épreuve des balles, même si on s'en fout, ça sert à rien sur le mode menu, mais bon. Du coup, il reste quoi? Ah bah le motif et la peinture. Allez, alors, motif. Feister blanc. Ah, ok, ça est bugué. Simple, mais efficace, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Après, on a le même, mais en noir. Il n'y a rien d'autre derrière, on est d'accord. Ok. Growler blanc. J'aime bien aussi. Ouais, pour ceux qui aiment bien faire des petites bagnoles sobres, voilà, vous pouvez mettre à la limite toujours un petit motif, ouais, et ça gêne pas, ça reste sobre, je trouve efficace. Double bande. Ah, ça c'est pas mal. C'est dommage, c'est que ça fait un peu bizarre avec le capot du coup. Bande Feister, ah bah ça aussi c'est sympa. Avec le petit Feister sur les côtés, regardez ça. Franchement, j'aime bien. Camouflage, bon bah là on passe carrément à autre chose, hein. On va pas se mentir. Pilote Xero,
Ouais, bon. Ouais. Bon, je suis pas très fan de celui-là. Circuit Flika. Ouais, il est sympa, mais pas dingue non plus. Sous couverture. Sous couverture. Oh, mais c'est la payotte qu'ils ont refait là. Sous couverture. Oh là là, il va falloir qu'on regarde certains motifs quand même. Ensuite, donc à partir de maintenant, celui-ci ne sera pas disponible. Donc je vous l'ai expliqué, vous aurez la vidéo dans la description d'ailleurs. Il y a 5 motifs par véhicule qui arriveront prochainement du DLC. Qui ne sont pas disponibles et qui seront à débloquer lors d'événements spéciaux dans GTA Online. Ou en faisant certains défis que Rockstar nous donneront à faire le jeudi. Donc suivez bien les actualités sur la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez pas rater les motifs. Parce que c'est des motifs rares que vous ne pourrez pas obtenir deux fois. Donc éclaboussure, voilà. Hop, on fait le tour. Franchement, en rouge et bleu, c'est sympa. Après, noir et bleu. Oh! Ah oui! Pas mal. Éclaboussure inversée, c'est pas mal aussi. Pas mal aussi. Ensuite, on a le Tinkle. Là, c'est les drapeaux allemands. On dirait bien. Ok, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas vilain. Et camouflage sale. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Ça fait un peu vache, quand même, je trouve. Et graffiti Kasama. Voilà. Kisama, pardon. Pour le dernier. Et ben moi, je vais mettre... J'hésite entre celui-ci et celui-ci. Ah, je vais mettre celui-ci. Allez. Peinture. Couleur principale. Si on met chrome, oh bah là ça ressemble à rien. C'est un peu con ça quand même d'ailleurs, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. En maths, ça donnerait quoi? Ah! Pas dégueu, hein. Rouge et noir aussi, c'est sympa. Orange et noir, ça plairait à Camorlac. Vert et noir, la team TGS. Et que ça serait pas dégueu d'ailleurs. Bon, je vais pas le faire pour la vidéo parce que la miniature, les gens vont m'insulter si je la mets en vert. Mais franchement, ouais, pour moi, côté perso, je l'aurais bien mis en vert, tiens. Si on met du métaux. J'ai fait ma S2 en métallisé, les amis. Elle est tellement belle. Ouais, c'est que c'est pas dégueulasse comme ça. Ouais, on va la faire comme ça. Allez. Couleur secondaire. C'est quoi qui change de couleur? Est-ce que c'est les étriers? Ouais, c'est les étriers. Bon, on va les mettre rouges. Hein. Mais du coup, on va pas les mettre mat, on va les mettre... Voilà. Tac. Couleur finition. Ah ouais, mais du coup on a un liseré rouge à l'intérieur, ça fait bizarre. On va mettre noir. Couleur détail. Ça, on va le mettre. On va le mettre vert, ça fait pas vilain. Voilà. Et après, on peut mettre. La phare arrière, du coup, ouais, si on change. Ouais. C'est pas ouf, du coup. Éclairage. Kit néon, support néon. Hop. Bleu.
On peut le mettre rouge. Voilà. Allez. Voilà les amis, on a donc terminé la custom de cette Firestar Growler. Donc il y a des motifs qui sont plutôt sympas. On a quand même pas mal de pièces hein, à mettre sur cette voiture. Voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Le double petit béquet derrière, enfin double petit béquet et gros béquet. Après vous pouvez choisir de mettre juste le petit béquet ou juste le gros béquet, ça à vous de voir. Moi j'ai mis les deux pour vous montrer. Hein. C'est juste histoire de voir. Oh, j'aime bien le pare-choc, pare-choc arrière, c'est bien sympa. Le pare-choc avant, je trouve que les pièces étaient pas dingues. Je trouve que celui d'origine reste le plus joli. Enfin voilà, après c'est les goûts, les couleurs. Comme d'habitude, ça se discute pas. Moi, je suis juste là pour vous montrer toutes les possibilités de custom sur cette voiture. En tout cas, moi, j'aime bien cette custom. Après, comme je l'ai dit, je pense que je la ferai plutôt verte et noire quand elle sortira sur GTA Online, histoire de la faire aux couleurs du crew. Parce que je trouve que ça avait plutôt de la gueule avec le vert du crew. Mais enfin, voilà. On a fini la custom. Et donc maintenant, bah, on va partir à l'essai. Comme d'habitude, je vais faire un petit tour sans micro. Et puis, on se retrouve à l'arrivée. C'est parti. Voilà les breakers, on a donc terminé l'essai, enfin la présentation, la customisation et l'essai de cette Firestar Growler. Bah écoutez, elle est plutôt pas mal agréable à la conduite. Elle a tendance à chasser un peu du cul, mais ça peut venir du fait que j'ai baissé les suspensions, que je les ai mis en mode course. Il faudra voir ensuite, en les laissant d'origine, peut-être qu'elle chassera moins du cul, c'est même fort probable. Mais elle reste facilement rattrapable, même quand elle chasse un peu du cul. Elle a une bonne accélération, une vitesse de pointe plutôt raisonnable. On est allé sur les 130, je pense qu'elle peut atteindre 140-145, je pense, en mph. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà. Alors, il y en a qui m'ont posé la question, et je trouve que c'est intéressant, ça serait à débattre. Quand la Comet S2 est sortie, il y en a plusieurs qui m'ont demandé si la voiture était bonne pour les courses. Alors dites-moi en commentaire, à la fin de cette vidéo, si vous voulez que je vous fasse des vidéos spécialisées sur les voitures pour les courses, quand elles sortent, si vous voulez que je vous fasse une vidéo à côté, où je fais quelques essais en course, sur la piste peut-être du bâtiment, là, du salon de la LS, et ensuite sur 2-3 courses, histoire de vous donner mon avis, sur une course même, ça suffit, hein, vous donner mon avis sur chaque véhicule, si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Je parle des prochains véhicules, parce que les véhicules actuels, vous les avez déjà, donc c'est pas la peine de vous donner mon avis, vous le connaissez, pour la plupart vous savez quelle est la meilleure maintenant. Mais par exemple, si vous voulez une vidéo sur la Comet S2 en course, pour que je vous donne mon avis là-dessus, ce que j'en pense. Puis voilà, pour les véhicules qui vont sortir, prochainement la Growler. Je sais que la prochaine, ça va être la Dominator ASP. Donc par exemple, la Dominator ASP, si elle, elle va sortir jeudi prochain, est-ce que vous voulez que jeudi ou vendredi, je vous fasse une vidéo avec la Dominator ASP en course,
pour vous donner mon avis, si ça confirme ou pas ce que j'avais dit dessus sur les vidéos, présentations, customisation et tests de cette Dominator. Vous me direz en commentaire. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce du soutien, dire en commentaire tout ce que vous pensez du véhicule, de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Sachez aussi que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description, ainsi que les liens des trois précédentes customisations de ces trois véhicules-là, donc la Cipher, la ASP Dominator et la Comet S2, si jamais vous n'avez pas encore acheté la Comet. Et on passera ensuite à l'un de ces trois véhicules, et je crois que ça sera la Sultan, la prochaine vidéo. Donc faudra que je revérifie les votes. En tout cas, merci à vous, vous avez été 1,3K, donc 1300, pardon, putain, je vais y arriver, 1300 à avoir voté pour les véhicules, c'était cool. Donc voilà, on refera ça, de toute façon je le fais à chaque DLC, donc on continuera à faire ce genre de choses. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous souhaite une bonne journée à tous, et à très vite sur GTA 5 PC ou GTA Online. Ciao.